Alors bonjour, voilà, bah, c'est jour 0 de la deuxième partie de mon chemin de Saint-Guilhem. Je suis parti, je viens de partir, je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs. Il est exactement 9h11. Donc je sais, c'est pas très raisonnable pour un pèlerin, pour un bonheur. L'église de la Canourgue. Donc je suis à la Canourgue, c'est là où je m'étais arrêté au mois de juin, et je pars, si je trouve le chemin, et donc je pars, je suis parti, ça y est. Tout à l'heure, dès qu'on sera un peu sorti. Bon, ben voilà, je vous reprends. Je viens de me taper un raidillon, là, je vous dis pas. Ça, c'est du bien. Ça, donc là, alors pour me résumer, donc on vient de quitter la Canourgue dans le Lozère et on part normalement sur Saint-Guilhem, si tout va bien. Saint-Guilhem, le désert. Je fais donc la deuxième partie de mon chemin de Saint-Guilhem que j'avais arrêté il y a 2 mois de cela. Voilà, donc c'est jour de marché ce matin. En plus, peut-être en l'air ou gastons la gaffe comme vous voulez, mais je me suis planté de route. C'est pas méchant. Voilà, enfin, je me suis mis en jambe, on va dire. Et puis bah voilà, là on est parti, il fait super bon. Il y a quelques nuages, mais c'est pas bien méchant. Normalement, la semaine qui arrive va être magnifique, j'espère. Et puis, et je vous fais apprécier la jolie vue. On est vraiment, voilà, au-dessus de la Canourgue. Hein. Regardez un peu comme c'est beau. La Lozère, il n'y a pas plus joli. Hein. Voilà, et le chemin est en bas, vous voyez. Donc j'arrive d'en bas, de tout en bas, là. Voilà, ben je continue et puis je vous reprendrai plus tard. Allez, bye bye, à plus tard. Voilà, là je suis sur un plateau. C'est magnifique, hein, vraiment très beau. Je vais pas me répéter à chaque fois ce que je dis. J'ai remarqué que j'étais un peu répétitif. Mais c'est vraiment très chouette, un joli endroit. Le Lozère, c'est vraiment superbe, physique mais superbe. Donc là voilà, je vais marcher je pense une bonne partie de la journée sur ce plateau avant de redescendre sur Saint-Enimy ce soir ou demain, on verra. À chacun son chemin, dit-on. Donc on verra bien quel état de santé on sera en fin d'après-midi. Aperçu la vue ce matin. Je sais pas si vous le voyez, mais tout au loin on voit l'autoroute à 75, très loin. Seul vestige de la civilisation, hormis bien sûr ces champs. Voilà, c'est magnifique. Et là, je suis sur un plateau. Ça y est, j'ai encore tapé une jolie petite montée, mais là, c'est un petit chemin forestier super agréable. Et la forêt derrière. Et là, c'est
où je vais. Allez, à plus tard. Et voilà, donc c'est l'heure du repas, lunchtime. Ça fait du bien de s'arrêter, je me suis trouvé un endroit idyllique dans la forêt. Vous voyez, c'est très très beau. Voilà, on a fait 8 km, ce qui est tout à fait correct par rapport à l'objectif que je m'étais, enfin l'objectif entre guillemets, que je m'étais donné aujourd'hui. À chacun son chemin, et moi le mien, il va... Bah, c'est un peu l'éloge de la lenteur quand même, et c'est une bonne chose pour moi. Ça permet de découvrir et de m'imprégner de l'endroit où je suis. Donc voilà l'objet du délit. Un bon saucisson de pays, un pâté en croûte de pays. Voilà, et des snacks pour le dessert. Je crois que c'est pas mal. Hein. Ça va être un peu lourd cet après-midi, mais c'est pas grave, on va faire la sieste. Voilà, allez, ben, bon app' à vous, si vous êtes à table, comme dirait l'autre. Et à plus tard. Salut! Bon, j'étais en train de faire une petite sieste et regardez ce qu'il y a juste au-dessus de moi. Je sais pas si vous voyez. Ce sont des... Je sais pas ce que c'est, des rapaces, quoi. Il y en a un qui a plané juste au-dessus de moi, là. Je ne suis pas mort, messieurs, je ne suis pas encore bon à manger, donc je suis désolé. Il y en a plein. C'est ouf, hein? Ils sont très silencieux, on ne les entend pas du tout. Voilà. Petit instant de nature. Voilà, il est 3h de l'après-midi, après mon casse-croûte et ma mini-sieste. Bon, on est reparti, donc voilà, je vais faire encore 3-4 km. J'en aurais fait 15 aujourd'hui, ça va suffire. Pas forcer non plus. Puis demain, je voudrais m'arrêter au camping à Saint-Enimi. Parce que c'est un superbe village, paraît-il, un des plus beaux villages de France, pas, il semblerait. Donc je voudrais m'arrêter là-bas pour visiter un peu. Et puis voilà, donc ça fera 2 fois 15 km pour les deux premiers jours, c'est impeccable. Voilà, donc voilà ce que sur quoi je marche depuis tout à l'heure. C'est bien cool, hein. De temps en temps ça descend sec, de temps en temps ça monte. Mais globalement, c'est plutôt plat, c'est une plaine sur un plateau. Et c'est joli. Et c'est bien cool. Voilà, je vous dirai, je vous montrerai mon spot de bivouac tout à l'heure. À tout à l'heure! Un dolmen, c'est le dolmen de la Rouvière. Voilà, bon, il s'est un peu effondré, un peu apparemment sur le côté. Voilà, le dolmen de la Rouvière. Et bonsoir. Voilà, je voulais vous montrer mon petit coin de bivouac. Je pense avoir trouvé un endroit sympa, très agréable. Comme vous pouvez le constater, il est complètement à l'abri. Hein. Il y a une petite sapinière derrière la tente. Donc je ne devrais pas avoir trop de vent cette nuit. Et puis c'est très calme. Il y a un mur, je ne suis pas loin d'un dolmen là, que je vous ai montré d'ailleurs. Et voilà mon cocon pour cette nuit. Et au dîner, ce sera
couscous et gâteau de riz. On va essayer de se requinquer. Voilà, pour continuer demain. Alors il fait beau, hein, il fait super bon ce soir, c'est un régal. Et demain, ça devrait être sympa également. Donc on se revoit demain. Et bonne nuit. À demain.